Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On part sur l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Quel endroit je dois bien amener ça? Peut-être que la grotte c'est... Ah ouais c'est ça. Ça. Bombarda. Ça ouvre à la glace. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Rébellion. That's it. Oh, tu le vois là? Tu le vois pas là, mais tu le vois là. Bon. Quoi dans l'eau? Ok. Il y a des quêtes mineures ici, on va aller voir ça. Sois forte, Alexandra. Pardon. Est-ce que tout va bien? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... Je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, votre propre troll? Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Je suis Alexandra. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrock dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Mais tout le monde veut s'en débarrasser. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. Il doit falloir beaucoup de courage pour essayer, je vous l'accorde. Merci. Ça fait plaisir à entendre. J'aurais aimé que les autres pensent pareil. Mais je comprends aussi leur inquiétude. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le Follet. Mais c'est mon troll et mon problème. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Il est plus fort que tous les trolls que j'ai rencontrés. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. À quoi est-ce que vous entraîniez ce troll, au juste? Eh bien, j'espérais pouvoir le dresser pour qu'il nous protège. Franchement, j'ai eu du mal à lui apprendre ne serait-ce qu'un mot ou deux. Je n'ai même pas pu lui apprendre un minimum de discipline. Qui est Barnabas le Follet? Tu l'as sûrement vu sur une tapisserie à Poudlard. C'est celle qui est accrochée dans le couloir du 7e étage.
Il aurait essayé d'enseigner la danse classique à des trolls. Tu peux imaginer comment cela s'est terminé. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non ! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. D'ailleurs, tu devrais éviter la zone au sud-ouest d'ici. Du moins jusqu'à ce que je trouve le courage de faire le nécessaire. Un troll en liberté près d'un hameau ? Les choses pourraient mal tourner. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Calice. Mais il fallait protéger le hameau de ce troll. Revelio. Il était peut-être un peu ambitieux. De
Et commencer par des bonnes manières, nous devons d'abord maîtriser la base de la non-violence en gardant cela en tête. Nous avons abordé la semaine 2. Peut-être un progrès. J'en ai attiré qu'une série de grognements. Peu de progrès. Il y a du potentiel, mais il frappe à tout va sans distinction. Une régression, donc. Lors de cours d'Itrol, semaine 1, savoir-vivre et bonne manière, s'il vous plaît. Merci, excusez-moi, pardon. La sorcière lançant son souffle. Doit savoir se lancer sans sort. Formation à la sécurité. Rébellion. Qu'est-ce que vous mijotez? C'est fait, Alexandra. Je me suis chargé de lui. De lui? De mon troll? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. J'aurais aimé que ça se passe différemment pour lui. Vous ne pouviez pas faire grand-chose de plus. Il ne pouvait pas être dompté. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel. Je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre mon... le troll. Quelque chose de troll, ou des trolls, il me semble. Chuchoteur ? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi, mais merci infiniment pour ce que tu as fait. Le sorcier qui murmure à l'oreille des trolls. Ça me paraît approprié. Rébellion. Rébellion. Lumos. Bombarda. Rébellion.
Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Lumos. Lumos. Protego. Lumos. Lumos. Je sens pas trop cassé la tête, celle-là. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez nous... Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Quelle chance de tomber sur le pourfendeur, le tueur, le chuchoteur des trolls. Peu importe, je sais que vous serez à la hauteur. Moi, c'est Eddie Thistlewood, un ami qui habite Felcroft a besoin d'aide pour combattre les fidèles de Ranrock. J'ai envoyé 2 caisses de choux mordeurs de Chine pour l'aider, mais elles ont disparu en chemin. Bonne idée. Il ne faut pas plaisanter avec ces choux. Je suis bien d'accord. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Felcroft en paix. Peut-être pourriez-vous retrouver la trace de ces 2 caisses et les livrer à mon ami Bernard Ndiaye. Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment. Savez-vous pourquoi les gobelins visent Felcroft? Mon ami Bernard dit qu'il rôde dans la région depuis un moment. Il pense qu'il recherche quelque chose. Mais dernièrement, ils deviennent plus agressifs. Y a-t-il un lieu où je peux trouver des choux mordeurs au lieu de les faire pousser? C'est possible, oui. Mais cela prendrait du temps et nous devons agir vite avec la menace des sbires de Ranrock qui augmente chaque jour. Et puis, c'est une question de principe. J'ai fait pousser ces choux et ils sont extraordinaires. Vous savez où je pourrais trouver ces caisses? Oui, d'après ce que j'ai entendu, on en a repéré une au sud de Felcroft, l'autre serait au sud de Bourg-Garen, près de la rivière. Je vais apporter une récolte de choux mordeurs à votre ami dès que possible. Ah, merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ses choux, finalement. Que proposez-vous à la vente? Je suis convaincu que Felcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de Chine. On dirait que Felcroft est en péril. Je devrais peut-être apporter mon aide. Mais ça va m'être utile.
Confringo. Leviosa, Bombarda. Confringo. Les murs en pierre servent parfois de prison. Revelio. Quelque chose là, après on va le voir. Ça n'a pas été trop dur. Revelio. Porte secrète. Action. Wingardium Leviosa. En voilà un lieu triste. Action. Action. Bingo.
Quelque chose qui fait jour. Lumos. Réparo. Wingardium Leviosa. Levioso, bombarda. Levioso. Action. Ce château renferme toutes sortes de secrets. Rebellion. Action. Wingardium Leviosa. Confringo. Confringo, Defendo, Tati. Levioso. Defendo. Confringo, Tati. Levioso. Bombarda. Levioso. Defendo, defendo. Heureusement que je n'ai jamais été enfermé ici. Bouge pas. Repulso. Defendo. Defendo. Ah. Repulso. Action. Defendo. Non, ça passe dans le vide. Defendo. Levioso. Bombarda. Pas d'idée. Rebellio. Ouais, des ballons.
Revelio. Allô, Mora. Bombarda. Revelio. Revelio. En route pour de nouvelles aventures. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Que proposez-vous à la vente ? Non. Très bon choix. J'aurais opté pour la même chose. Revelio. Revelio. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Bombarda. Regardez ça de plus près. Revelio. Ok. Ok, ouais. Wingardium Leviosa. Je pense que je vais le bloquer. Bombarda. Confringo. Et voilà. Revelio. Facile. Revelio.
Revelio. Les gens du coin racontent que ce napperon rend hommage à un elfe de maison très apprécié qui rêvait de la porter un jour. Oh. Les papillons sont là, je vais appeler. Salut Mystique Luna. Ah, il est là. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ça va, ça va. Bon, reste juste un à trouver et yo. Oh, je pense qu'il est là. Ah, c'est pas ça. Putain, il est où? C'est bien dans la grotte. Non, il devrait pas être là. Ah, ça a été trop stupide de laisser ça. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Revelio. Attends, il est juste là. J'en ai trouvé trois, il m'en manque un. Thank you.
Je vais suivre les papillons, puis je viendrai faire ça après. Il est là. Et voilà. Résolu. Bon, là, je suis en train de faire une mission extrême secondaire. Ce jeu-là, je vais le finir à 100%. Cette caisse de choux mordeur de Chine est quelque part dans ce campement. Par la bête, on aime bien voler les hippopotames. Des environs dormiront. Revelio. Confringo. Bombarda. Revelio. C'est bon pour la première caisse. Plus qu'une à trouver. Je peux pas le livrer. Bombarda. Blow you à côté, mais ça marche pas. J'ai déjà été là. Je suis posé aller là, moi. Ça, c'est où? Ok, faut que je fasse le tour de la montagne. Ça va bien. Tu n'aurais jamais dû venir ici.
Revelio. Allô, Mora. Revelio. Fait le petit coach. Dès qu'il n'y a rien, c'est dedans. Pourquoi il y a un lock, ce qui a rien à ramasser? Une porte barrée pour dire qu'elle est barrée? Rébellion. Rien en tout. À mon avis, le passé est trop vite oublié. Y aura-t-il un jour? Supposons une grotte site. Moi qui est plus basse. Fascinant, vraiment fascinant. Des missions secondaires ici aussi. Je peux pas toutes les faire tout de suite. Pour aller plus vite, j'aurais été smart assez, j'aurais rien fait ça. Je sais pas quoi faire, j'ai volé tout ça, perte de temps. Revelio. Un intrus. Bonjour, monsieur Ndiaye. C'est Edith Isselwood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux mordeurs de Chine? Pas encore, je regrette. C'est regrettable. L'idée d'Eddie n'est pas mauvaise. Je ne sais pas combien d'attaques Feldcroft pourra encore supporter. Que proposez-vous à la vente? De la merde. Merci. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide. Les fidèles de Ranrock se cachent près de Feldcroft. Ce sont sûrement eux qui ont l'autre caisse de choux mordeurs de Chine.
Prennent la crise du jeune compte rendu. Vous recherchez en tête porter leurs fruits. Faites vos rapports immédiatement. Henry pense qu'il a davantage à Felcroft. Ne venez pas les mains vides. Ben, je pense qu'ils vont pas venir en tout. Voilà, j'ai toutes les caisses de choux mordeurs de Chine. Maintenant, je dois retrouver la ligne de Monsieur Thistlewood à Felcroft. Et toi, tu joues à quoi, Mystical Luna? Bonjour. Vous m'apportez bien le... Rebonjour, Monsieur Ndiaye. Content de vous revoir. Avez-vous récupéré les choux mordeurs de Chine? Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrok. Ces mêmes vermines qui, à mon avis, les avaient interceptés en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddie. Merci de votre aide. Est-ce que vous savez pourquoi les gobelins attaquent Feldcroft? Aucune idée. Au début, je croyais que c'était pour son emplacement stratégique, mais on dirait qu'il cherche quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent bien chercher. Comment vous vous êtes rencontrés avec Eddie? On s'est connus à Poudlard. Depuis, on est amis, et désormais associés en affaires. Je n'ai pas été surpris de son hibou sur cette arnaque aux choux mordeurs de Chine. Il a toujours fait de son mieux pour venir en aide aux autres. Mais de rien. Ravi d'avoir pu être utile. Enfin des renforts. J'espère que ça suffira pour arrêter les gobelins. Rebellion. Table d'astronomie. Elle sera utile une fois. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Le guide du sorcier est bien... Revelio.
maintenant un fidèle de moins, Ranrock. Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Wingardium Leviosa. La bloque a rien dessus. Elle a quoi? Ok. Wingardium Leviosa. Je sais pas comment là. Un rapport avec le milieu. En haut, en haut, en bas, en bas, à gauche, en haut. Wingardium Leviosa. Bombarda. Revelio. Wingardium Leviosa. Oh. Qui va à droite, celui-là. Non.
Là. Wingardium Leviosa. Je l'ai eu. Ah, pas très facile, mais je l'ai eu. J'ai quasiment abandonné. Calé. Change le smart. Ça va pas bien. Rébellion. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Ah, j'ai déjà venu ici. Et je prendrai bien ça. Et ça. Vous ne regretterez pas votre achat, je peux vous le garantir. Merci, femme. Rébellion. Oh, c'est quoi ça? Papillon ici. Oh. Rébellion. Et là. Wingardium Leviosa. Et voilà. Je devrais regarder ça de plus près. Non, mais merde. Rébellion. Une flèche par en haut, par en bas. Il manque le par en bas. Ben, il faut le mettre par en bas. Je pense pas la rapprocher. Et par en haut, ça. Et voilà. Putain. Wingardium Leviosa.
Et l'autre bord, hostie. Pourquoi il a viré? Eh non, asti. Non! Pourquoi il tourne? C'est niaisage. Hostie, je l'ai. Ah oui, tu l'as. Oh non!
je l'avais. Ah, va chier, stick, c'est incroyablement. Shit. Bombarda. Wingardium Leviosa. Il va jamais du bon bord. Bombarda. Wingardium Leviosa. Oui. Bon. Ah bah ouais, ça m'a donné des chaleurs cette partie-là. Rebellion. C'est ce que cela représente, une épreuve de Merlin. Confringo.
Revelio. Confringo. 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 C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Que vous mijotez. Confringo, réfléchis. Bombarda. Non, Reparos. Réparo. Réparo plutôt, Reparos. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Bon. Revelio. Lumos. Bombarda. Réparo. Ah, faut quelque chose pour le faire exploser. J'ai pas cette magie là. What? Y'a rien. Ah, y'a un autre mur là. Finalement, y'avait rien à faire à part se rapprocher. Revelio. Ah,
Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Pourquoi je peux ramasser? Confringo. Revelio. J'avais pas vu lui. Thank you.
Et mais le triangle est tout... Hey, mais Red Wolf, comment ça va? Le triangle est tout le temps là, comment ça? Y a-t-il une bête que j'ai pas vue? Oui, c'est ici. J'ai un site, y'a plus rien. Rebellion. Je comprends pas. Il y a énormément d'affaires à faire, hein, c'est incroyable. Je pourrais pas tout faire. Ah, ici, c'est qu'il y avait un coffre que j'ai pas vu. Ah, des fantageux définis comme étape. Putain, j'ai été ici, j'avais rien. Ouais, tu veux des araignées, tiens. Derek, c'est pas fini l'araignée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je sais que tu maîtrises Excellium. C'est toi qui as volé notre home gobelin. Réfuso! Leur home gobelin. Mais. Action! Descendo! Stipendo! Wingardium Leviosa! Bombarda! Confringo! Defendo! Fini, Nado. Peu de sorcières et sorciers sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes d'Écosse jusqu'à leur véritable origine. Un sorcier du 15e siècle appelé Unan Blackwood, né Unan Wood, dans une branche non magique de la famille Wood. Unan n'était pas compris par ses parents moldus et dans un effort pour s'intégrer, il lança dans l'affaire familiale la taille des haies et pouvait dire
pouvait dit-on contrôler les prunes liées par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de super motifs qui ne manquèrent pas d'impressionner et d'enrager son intolérante famille. Leur sentiment grandit encore lorsque l'invitation pour Poudlard où il rejoint la maison pour souffle. C'est à Poudlard que Vernon rencontra Artemisia Black. Déshérité par la famille Black après les ébats de sa mère avec le père Moldu d'Artemisia, les rapports de cette dernière à la pureté du sang étaient complexes. Elle se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère et reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne se condamnait pas Wood pour son ascendance Moldu, mais la considérait lui aussi comme une victime innocente de l'impureté des Moldus. C'est la première fois que je vois un labyrinthe. Rébellion. Et un coffre. Je sais. Et voilà. Terminé. Première fois que je voyais ça. La porte est ouverte en dessous, mais comment je peux aller là, moi là? Page par ici. Un coffre. Et là. Les tentacules de Murlap sont un ingrédient de potions rares connues pour augmenter la résistance à certains sortilèges de magie noire. Ils possèdent également des propriétés curatives. Cependant, les personnes qui en ingèrent trop voient les poils de leurs oreilles se teindre en violet. Comment je pose à elle là? Ben, je fais un trou.
Ok, je comprends rien. Oh là! Aveugle. Salut! Ok, il y a un coffre en dessous. Comment je... Wingardium Leviosa! Confringo! Non? Ok, comment je peux oser de faire ça, moi, ça? Revelio! Confringo! Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas. Revelio. Comment je suis supposé, c'est pris. Tabarnak. Wingardium Leviosa. Ok, j'ai frappé dessus, je l'ai fucké là. Regardez ça de plus près. Ouais. Et voilà. C'était foqué ça. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Revelio.
Leviosa. Confringo. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Revelio. Rebellion. Repulso. Confringo. Bombarda. Fundo. Repulso. Classic. Bombarda. Rebellion. Action. Rebellion.
Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit.